On fait. On codifie. De quoi? Oui. Pourquoi je t'entends pas? C'est parti. Buen día, compatriotas. De voir du coup. Nous entend. Et Est-ce par que ça contre, va faire de c'est la trop pluie quoi? bizarre, moi. Je t'entends pas du tout. Quoi? Mais je... T'entends pas ma voix? Ouais. Alors que j'ai bien fait inclure l'audio du groupe. Ça, c'est bon. Par contre, dans le... Tu Attends, m'entends? ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Faut que je me rappelle du jeu. Non, c'est bon, ouais, nickel. Non, Nickel, nickel. C'est nickel, nickel. J'ai demandé à Pac Qatari de nous envoyer un véhicule. C'est nouveau ça encore. Putain, je l'ai défoncé le mec. Attends, non, t'as pas le GPS encore. Après avoir découvert que la Gringa rognait sur la pureté de sa cocaïne, El Sueño a chargé ses hommes de la tuer. Rejoignez la Gringa et amenez-la moi. Elle n'a plus nulle part où aller. T'es bloqué? Attends, j'essaye de sortir, il veut pas que je sorte, c'est con. Allez, je te suis.
Attends, merde. Attends, merde. Merde, c'est l'autre côté. Oh, vas-y, on va aller. Rolas, remixes, tránsitos, barro, fuscas, escuadras, plomos, drogas, bases, gallos, brutazos. Y aquí, cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Bedab, bedab. Chabadab, chabadab. Es hora de dejarse. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. La naturaleza y vivir los encantos del paraíso. Putain, y'a du monde ici. Ah, y'a du monde. Bon, on va se les faire, attends, on fait un, voilà. On se met là. À la voiture. Oh, je vais crever, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ah, yes. Il y en a encore plein là-haut, hein, je crois. Je crois qu'il nous a repéré. Personne. Ah, c'est bon, je suis. Voilà. Vas-y. Ça, c'est du super GT. Ça. C'est du GT comme je les kiffe. Salut, salut. Et bienvenue sur le stream. Je vous fais de la présence de la Santa Blanca en Bolivie. Ça n'a rien à voir avec l'industrialisation forcée que les Gringos et leur CIA ont. Oh bon, je le maîtrise le véhicule Gwendal. Poupoupou. Ces cartels latinos croient comme moi. Ouais, je comprends que tout le monde invite ton GT, mon pote. C'est normal. Il y a moyen, si on s'y prend bien, de concilier les intérêts de l'homme et de. Ah ouais, bah là, j'ai rien maîtrisé du tout là. Oh là là, maîtrise à deux balles, réserve parce que je me suis calé là. Ouais, j'ai envie de traverser. Je traverse, moi, attends, tu rigoles ou quoi? Ah non, je. On va bien, on se casse. Ouais. Le mec qui te dit, t'as vu comment je maîtrise le véhicule? Faut pas les croire, les mecs. Menteur. Ah, je te jure. On se fait repérer déjà. Putain, il y a de la bagnole, ouais. J'envoie un troisième. Où la caisse? Oh, ils sont loin, ils sont loin. Je te suis. Lui, c'est moi qui klaxonne. Cinquième cible. Tu vois, il y a du people, hein. Ouais.
Ah la vache. Je m'éjecte ici, mon gars. Ouais, je suis heureux. Il y a quelqu'un derrière aussi. Ah putain, les bagnoles. Prague lancée. Ça dégage. Pas mort. Putain. Je crois que c'est des rebelles des Qatari qui défendent la maison de la Gringa. Il y a un truc qui va pas. Ton chaud. Chaud patate, toi, tu veux. Prendre son temps. Mais qu'est-ce qui me tire dessus, bordel? Y'a un sniper complètement à côté, mon gars. Tu crois, toi? Viens d'où celui-là? Bah non, toujours pas, on reprend petit à petit. Salut bébé, bienvenue! Ouais, non, Pilou, en fait, on reprend de temps en temps. Ouais. Ça dépend. Mais il peut rejoindre si tu veux. Ouais, n'hésite pas. Ah, d'accord, il est là-bas, au fond, là-bas. Ouais, là, c'est ce putain de. Ça fait mal, hein. Secondes avant réanimation. Il est arrivé. Ah, c'est l'autre derrière. Ah, putain, si t'y arrives, c'est chaud chaud. Putain, je vais déguster de mon bataille. J'ai assuré parce que putain, j'ai gagné. Il tire encore, hein, il tire encore. Fils de rien là. Oui. Oh, ça me fait marre, mon gars, mais c'est un truc de psychopathe. Je le vois là. Farci, hein. Il prend la tête depuis tout à l'heure. Putain, fais gaffe, il y en a un. Putain. Ouais, je le vois, putain. Bon, bon, bah, on va. On va s'y reprendre là. Dites-moi, hein. Mon ami, si tu veux. Je ferai avec vous un de ces quatre. Avec plaisir, Pilou. Et, c'est ton GT, hein, le Pilou Fesse. Pilou Fesse 8, 08, ça marche. Avec plaisir, mec. Ça roule, à très bientôt alors. On s'est fait. Soirée Pilou, à bientôt. J'arrive pas à comprendre. Je veux codiffuser avec toi, mais il veut pas en fait. Ouais, moi non plus. Ça va. Je sais pas pourquoi. Le 3 après c'est pas méchant. Attends, on va peut-être s'occuper déjà de celui qui était au sniper là. Tel quel. Ah là j'ai invité, on essaye de codiffuser mais. Ça. Ah, c'est bon, la codi. La co. La... Ouais. Ça codiffuse. Ouais. Oh non. C'est nickel. Le village de Porio est droit devant. Faut qu'on se dépêche de trouver la Gringa avant le cartel. On est derrière toi, chef. Ah, c'est le sniper, je crois qu'il va falloir le. Putain! Oh, ça cavale de partout, mon gars. Ouais. Où tu es aussi? Ah, bah vas-y, je vais descendre. Parce que j'étais vachement haut, c'est pour ça. Salut, Mewen! Salut, salut! Bienvenue sur le stream, c'est de rejoindre sur la codif. Nous sommes en codif.
tire au flingue là, c'est peut-être devant. Ta vache. Bon attends, on va essayer de jouer sérieusement là, on joue pas sérieusement. Un peu de ça aussi je crois. Te reste pas, hein. Je suis là, j'arrive, attends. Ils sont tirés. Dans la... Ils sont retournés dans la résidence là. Ouais, ils sont pleins. Ouais mais t'inquiète, on va y aller tranquille, on va prendre notre temps. Et je pense pas on va faire les foufous. C'est comme ils arrivent à pleine balle. Ouais. Je pense qu'on va appeler des... Ok, maintenant on peut y aller sans, tranquille. Après, si ça tire comme ça. Déjà faire une bonne. Checker où ils sont tous là. Les rebelles, hein, de toute façon, déjà dans la. Ouais. J'envoie une fraille, bouffe ça. Ça y est, encore un canon qui se ramène. C'est bon, j'ai flingué le véhicule, on peut y aller maintenant, allez, go. Putain, y'en a un qui arrive derrière aussi. Oh putain, mais c'est pas possible, quoi. Oh, il tombe pas, ce connard. Oh, je suis vénère, il me vénère le jeu, là. J'ai oublié ma vie, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi, il y a des jours comme ça où c'est pas bien, oui. C'est méchant. Ouais. Fais chier. Enfin, ça fait 100. J'ai demandé des renforts à part un peu les réflexes. Ouais. Oh. On veut y aller trop à l'arrache. Nettoyer, je crois. Là, j'ai un peu encore d'autres renforts, on sait jamais. Je check un peu partout. Hein. Ouais. Et le boss. Hein. Ouais. Localiser la gringa. Il y a la cavasse, lui, il est sous-sol, il est. Qui êtes-vous? Elle est blessée, la petite bébête. On peut sortir de cette merde, tu comprends? Mais il faut absolument qu'on se mine le cul. Je n'irai pas loin. Regardez-moi, je connais quelqu'un. Qui J'ai demandé dans aux rebelles de nous envoyer d'ici. Un véhicule. Les rebelles lui apportent parfois des blessés. Tu le connais bien, ce médecin. Elle gringa là, jusqu'au médecin rebelle. Rien au cartel, si c'est ça qui te fait peur. Il leur tient tête. Il n'y a pas plus courageux que lui. On s'est rencontrés quand... Tu la gringa? Parce que c'est le support, on est dans la merde. C'était le type du coin. Ah ouais, il y a quelques années, tonnes de grands plus tard, il te met en relation avec les rebelles. Il avait besoin de médicaments. On se laisse pas abattre. On trouve une bagnole, on se tire. Je comprends pas. Ça t'avance à quoi, ce double jeu? Deux secondes, je prends le volant. Mon but, c'est pas d'abattre, c'est d'aider les gens. C'est tout ce qui m'intéresserait. Yasmine aussi, elle, hein. C'est imbécile. Elle est encore dans la bagnole. Elle est encore dans la maison même. Elle est teubée ou quoi? Elle fait exprès d'être teubée? Teubée ou quoi? Tu viens là? C'est imbécile rose, va.
on fait prendre des risques. Oh, eh, ça pète maintenant. Eh, les rebelles, je sais pas moi qui pouvais monter dans les bagnoles. Elle vient là ou pas? Est-ce qu'elle vient? Allez, 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 allez. Purée, elle est pas dégourdie la nana. Hein. Allez, ma chérie, viens. Bah, dis donc, deux plombes. Je suis en voiture. Allez, go, t'ouvres la route. Ouais. Ok, j'ai deux personnes avec moi aussi là, pour couvrir. Ah bon, à mon avis, ils vont se couvrir. Je prends les devants. Merde, non ! Bon, est-ce que deux minutes alors hein. Vas-y, go, go, go. Ah, si tu peux. Mais on va tenter hein. On va tenter le tout pour le tout les copains. Ouh, ça fait très mal. Ouh là là, je me suis défoncé. Kilomètre et on a une 30. Pourquoi ils peuvent pas tirer parce qu'il y a des rebelles parce qu'ils sont à nous là. Bah je sais pas. Mais allez allez allez, faut que ça roule là. 13. On est à 700 mètres, ça devrait le faire. Ah c'est chaud, c'est chaud. C'est bon, on est à 500 mètres. Presque 50 secondes. Allez Miss, tiens le coup encore un peu. Le site est droit devant. Elle, elle sort de la voiture là ou pas? Elle sort pas de la voiture. Elle est con quoi. Ah, ça pas de la bagnole. Ça y est, elle est sortie. Elle est demain ou quoi, mais... Oh là là, c'est une plaie, la meuf. C'est une plaie, je te jure. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous la connaissez? Qu'est-ce qui s'est passé? Très sincèrement, il vaut mieux pas demander. Elle est énervée, alors. Ouais, je suis sûr. Si, pour le poisson. Laissez-la moi. Je vais faire tout mon possible. On va tout faire pour vous défendre, mais va falloir faire vite. J'ai comme l'impression que Soigno n'en restera pas là. Minute, faut faire quoi? Ah, c'est protéger. Protéger la gringa. La protéger la gringa. Elle est où la gringa là? Contact. Soigno nous envoie une autre escouade. On les élimine. J'ai demandé une diversion. Et là, on fait pas dans la dentelle. Nous envoyons des troupes immédiatement. Un hélico. Ouais, il est là-bas. Oh, wait, wait. Hola, Coutas. Où est-ce qu'on doit? Je l'aurais fait mal, putain. Merde. Qui c'est qui m'a écrasé là? Merde. Oh putain. Vas-y viens là. Viens le clé. Merde. Ah, ça, ça ils arrivent, attention ils arrivent, ils sont juste devant nous. Ils vont nous envoyer des renforts. Je crois qu'on est bon, à 30 secondes, je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Ouais.
caisse de mule, mais y'a rien. 10 secondes. Ah si, elle est juste là. Ah. Si elle... Oh. Oh merde, elle est bloquée. Ah. Oh, merde, elle... Alors chef, on fait quoi? On peut pas donner plus de temps au docteur. D'une façon ou d'une autre, la Gringa doit venir avec nous. Ok, Gringa. Allez, Gringa. Non. Encore avec nous. Attends, je vais prendre un... J'ai demandé à Pac Katari de nous envoyer un véhicule. Prendre le véhicule là qui est armé comme ça. Que le docteur vient de te filer. Chance de s'en sortir. Trop défoncé pour sentir quoi que ce soit. C'est vrai, j'avoue. On y va. Si tu sens que tu vas gerber ou t'évanouir, tu peux te mettre à la place du Maccabée ou pas? Ça passera. Ouais, je vais me mettre Tartier comme ça. Lui. Ok, c'est bon, tu l'as viré. Appelez-nous, cabroni cabrones, pour nous donner votre avis. Accroche-toi, Gringa, on a encore du chemin à faire. Allez. Je ne peux rien garantir. Accroche-toi, Gringa. Il reste jusqu'à combien? Oh, ça va. Mais... Elle va s'en tirer? Quel intérêt? Pourquoi des rebelles protégeaient ta maison? Pas Katari a dû vouloir me protéger. Oh, on va pas avoir un accident, Gringa. Je sens plus mes membres. Pourquoi Pac Katari protégerait une chercheuse du cartel comme toi? J'ai détourné l'argent de Sweeney pour acheter mes... Encore dans la montagne, là. On va aller voir les chèvres. J'ai rien à raconter de tout ça. Qu'est-ce que j'y peux? Il fait froid. Ou bien... C'est parti. C'est juste moi. Tiens, c'est là qu'il va y avoir du monde. Point d'extraction. Je demande une évacuation d'urgence à Bowman. Bon, allez, extraite. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! À la guerre comme à la guerre. Arrête de faire peur heureuse. Mon Dieu! Ouvre-le! On l'extrait dans 10 minutes pile. Oh, putain de merde, vivons. Ta petite clinique a peut-être fait illusion parmi les rebelles, mais avec moi, tu vois, ça prend pas. Enfin, vu ta cage thoracique, tu vas faire fureur en prison. Achevez-moi, on a fini. Sincèrement, j'y ai pensé. Mais d'ici quoi, 5-10 ans, 50 ans, si je tiens le coup jusque-là, quand je serai trop vieille pour me torcher toute seule, ça me réconfortera de penser à cette petite garce de la Gringa et à ses mignons petits amis de prison. Je m'en fous. Ça me va très bien d'aller en prison. Je préfère finir qu'elle soigne. Pour Antoul plutôt qu'avec Soigno. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Putain la vache. La vache. Et on pour 10 000. Yes. Bam, ça c'est beau. Hein. Yes. On va recharger un peu les batteries là parce que. Un quartier. Vas-y, hein, sélectionne une nouvelle mission. Ouais, bah tiens, on va y aller parler à la jeune femme. Tireur. Et que nous inscrivons dans des écoles du monde entier. Nous leur fournissons des passeports et prenons en charge tous les frais de voyage. Ok. Comment tu sors des conneries? Comme quoi ces gamins serviraient en fait à passer de la drogue? Qu'est-ce que vous répondez? Ah, j'ai appris il y a longtemps que la meilleure réponse face à un mensonge, c'est encore le silence. Lydia Flores, la reina de belleza. Merci d'avoir rejoint à l'antenne. C'est toujours un plaisir. Non. Wow. Je peux le louper. Para que se enteren quiénes son los más acá. A Cuba, putos. Esto es Santa Blanca. Ouais, toi tu fais du tout terrain quoi, tu rigoles pas. Non, jamais. Oh non. Bon, tu serais pas bloqué là? Recule. Si. Alors là j'ai été me caler, je sais pas où. Je vais mourir, mec. Je suis dans la merde.
Regarde où je suis. Viens à mes pieds, s'il te plaît, parce que. Conduis. Je vais mourir. Ouais. Je vais tomber là, c'est sûr. Ceci est un message des forces rebelles libres. C'est de tomber sur la voiture en bas. Attends, j'essaye de sauter sur la voiture. Cartel surnommé la Gringa a été capturé. Un sketch. Fais chier. Il s'agit d'un membre important du cartel que nous avons dû placer en détention spéciale de notre lutte contre la Santa Blanca. Pour sa générosité envers la Bolivie, elle n'aura pas à redouter notre justice. Oh le buggy. Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. C'est du putain de buggy, hein. Ouais. Attends, je vais faire un test. Rasse. Je peux. Ah, trop tard. Et tout le tralala. La saloperie de cailloux. Je vais peut-être faire un peu de nettoyage là. Oula. Oh, on va être gentil parce que. Ça va? Je sais pas trop ça. Ça les a tous tués. Relancez. Ils sont tous morts. Il y a brouillard. Brouillage. Bon bah voilà. Ça. Donc là, ça rigole plus du tout. La jungle des Caimanes. Elle a pris vie pour s'emparer d'eux et les emmener à l'inferno. Et vous avez survécu comment? Elle m'a pas fait de mal. Le monstro a senti que j'étais pas une menace. Explorer, ouais, t'as la vache. On va falloir faire gaffe, hein. Ah, c'est bon, tu lui as parlé? Ouais. Attends, bouge pas. Attends, ah, tu leur as tiré dessus. Ouais, c'est pas grave, on se tire, allez, go. T'inquiète pas, de toute façon, si tu te traverses, je les massacre. Je les marave. J'ai repéré un autre ennemi. Cinquième cible. Des points d'extraction. Très bien. Du coup. J'ai pas l'impression, hein. Ça sent c'est très c'est tout. Ah bon. Explorer les trois zones, d'accord. Putain, les mecs. Vous voyez ça? C'est pas une machette qui a fait ça. C'est trop net, trop propre. Moi, bon, c'est pas la jungle là où il y aurait le prédateur. Alors là. Aucune idée. Ça y ressemble en tout cas. Je
ça fait chier. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le prédateur. Il arrivait quoi? Le cartel, c'était une belle brochette de tarés. Mais là, on est sûr que c'est le cartel? Qui d'autre? C'est pas le cartel, mon gars, c'est le prédateur. La dernière zone. Les couleurs sont vraiment magnifiques, quoi, dans la jungle. Putain, c'est classe, hein. On va se le faire à la nage. Oula, ça sent le piège. Oula. T'as la musique aussi? J'ai mis de la musique, quoi. Ouais, ça sent le piège. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est... ça, je te promets, c'est le prédateur. Ça dépend. J'en sais que dalle. Putain. Attends, je vais enlever la musique. Là. J'ai bouge pas. Ah, poursuivez vos recherches. Ah, c'est génial. Tu en sais quoi ce truc vert là? Attends. What the fuck? Il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais oui, tu sais ce que c'est le sang du prédateur. Bah oui, il saigne. Bon, on va l'avoir là du coup. Il y a des chances, mon pote. Oh putain. Ouais, c'est sûr, hein, c'est ça. J'ai un visuel ça. Sur quelque chose. Quelque chose. C'est quoi comme texture? Tu crois que je vais toucher ça? On dirait presque du sang. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est génial, je suis en train de kiffer. Ça saigne. On peut le tuer. Je suis en train de kiffer. La torture de mon adolescence, putain. Attachez vos ceintures. Ah non, ouais, il y a la musique aussi en même temps. Oh putain. Entendu? Okay. Ouais. Je l'ai entendu faire. Je crois qu'il est derrière moi. On va se faire buter. Fais gaffe. On va se faire buter. Tu es pas à monter plutôt? Oh mec. Ah non. Oh putain. Je crois qu'il est derrière. T'es dans la bagnole. Attends, j'arrive. J'ai pas compris que t'avais repris le véhicule. Prends des risques. 100 mètres. Ah, il est là! C'est quoi ce bordel? Il est derrière là. Mais bien sûr, il peut se rendre à la tête de Predator. Il est en camouflage, quoi. Putain, le bâtard! Fais un tour, hein. Continue à aller au point. Hein. On arrive à le buter, on le fera, mais. Attends, je vais enlever la lumière du... la Dropbox, hein, parce que sinon, ça sert à rien. Tu l'as entendu gueuler? Ouais. Ah, il faut le tuer. Mettez-moi ça! Où il est là? Là, aïe. Fallait pas faire ça, mec. Oh putain. Fallait pas faire ça, on se fait couper en morceaux. Ah, tu l'avais tué. Ah, oh là. Non, je l'avais pas eu, moi, avant. Putain, vache, c'est chaud, quand même. Bien sûr, c'est le prédateur, mon gars, c'est pas un petit joueur. Hein. Pas les rebelles.
Putain, reparti. Alors peut-être que la voiture c'est pas le bon plan. Oh putain de merde. Butez-moi ça. C'est ton foire. Ah, ils ont dit qu'il est tout, mais c'est trop bon. Il est là. Je te jure, à partir du moment où on va l'avoir bien touché, le camouflage il va s'en aller, il va le perdre. On le verra plus facilement. Moi je flippe un peu. Moi. Je l'entends, l'enfoiré, il est là. Tu te planques derrière un arbre, oh bah... t'es mort. Putain la vache, il va être chaud. Tu sais ce qu'il faut utiliser? C'est la nuit, il faut utiliser la vision nocturne. Ouais. Alors... soit la vision nocturne, soit la vision infrarouge. Ouais. Putain la vache. Putain, il m'a dit. Ah putain. Ah bah tiens, hop. C'est pas mal pour comme vidéo à pas mettre mal. Sur YouTube. On affronte le prédateur. Bah ouais, carrément. Comme ça, je mettrai bah, le lien de la vidéo quand tu la mettras. Ouais. Je la mettrai aussi yes. Dans mon lien. Comme ça. Alors, du coup, hop, vision nocturne. J'ai demandé des renforts à Pak Katari. Les rebelles tournent. Écoutez-moi ça! C'est réel? Il était derrière moi là. Attention! Attention! Des flashbangs, on sait jamais. Et là! Derrière l'arbre. Il est où cet enfoiré? C'est génial, franchement. Il est par là, vous êtes. Oh putain, fais gaffe, il vise avec le laser. Ah d'accord, on a quand même 290 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Qu'est-ce qu'il laisse t'enfoiré? Et là, il est là. Non, j'ai tué un rebelle, putain! Putain, non! Putain, ça va être chaud, ouais! Putain! Il m'a pas eu. Fais gaffe! Ouais, c'est bon. Il m'a pas eu. On l'a touché. Attends.
T'inquiète, t'inquiète. Putain, j'ai dans la tête. T'as l'enfoiré. Il était là. Ah ouais, mais t'es monté là, tu t'es mis en... Il est où? Putain, fais gaffe, fais gaffe. Putain, vache. Putain. Ça va, c'est normal, hein, je fais. C'est normal. Qui nous met dans la tête, putain. Bon, je passe un petit coup de fil vite fait, j'arrive. Ouais. Je sais pas si c'est bon de prendre la... Ah putain. Bonus, la jungle a bougé. Putain, les gens ils me saoulent. Je vais vérifier s'il a une signature. Butez-moi ça! Putain, il m'a transpercé le salaud. Ah putain, il est là. Putain l'enfoiré. Je lui ai fait mal. Putain, j'ai... Ouais. Putain, j'étais un peu caché quand même. Putain, le salaud. Merci. Et allez, on se laisse pas faire. Dès qu'il target, il faut qu'il y en ait un qui lui tire dessus. Je le vois, il me target. Il m'a tué. Je peux lui tirer dessus là, dès qu'il tire. Putain, mais il est sérieux. Putain, ça va être chaud. C'est pas vrai quoi, c'est pas possible. Attends, j'en profite pour aller m'acheter m'acheter à boire, pff, n'importe quoi. Je vais me prendre un truc à boire, j'arrive. Ouais. J'ai appelé les rebelles, ils vont nous envoyer des renforts. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention.
J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Je transmets nos données sur les positions ennemies. Ah ouais, d'accord. Comme un cuero. Ok, c'est moi qui ai fait ça, super. Bon, alors, Marc, on peut essayer de lui balancer, c'est des grenades frag. Hein. Ouais. Frag lancé, quand même. Bah, l'avantage, c'est que quand ils sont là, ils vont lui tirer dessus. Oh, qu'est-ce qui a chuté. Pas là, il revient avec nous, non? Il reste là-bas? Non, je crois qu'il vient de... parce que j'ai dit. Putain, l'enfoiré, il fout les boules. T'es là! J'envoie une frag, bouffe ça, tu con! Ah putain, attention. Putain, non. Il est où? Je pense qu'il faut lui toucher dans la tête ou quoi. Bah, faut lui tirer dessus en tout cas, ça c'est sûr. Je l'entends, il est là-bas. Dans la tête. C'est génial qu'ils aient fait ce mode. C'est tellement kiffant. Oh putain, quoi. Non. Oh les connards. Ah putain, t'es à deux secondes de me raise. Oh là là là. Ouais, putain, c'est chaud. Pas abandonner, faut pas abandonner, c'est chaud, ouais. Mais faut pas abandonner. Ouais. Là en plus, ça fait vraiment partie d'une... mission quoi. Ouais, la vache. C'est chaud. Et appelle peut-être aussi des rebelles. Pour ça, on va essayer de faire petit groupe par petit groupe. À Pak Katari, j'ai demandé une diversion aux rebelles. Même plus comment je peux les appeler. Ah ouais, pas comme ça. Soit si on demande des tirs autrement, ça pourrait... Foutez-moi ça! Je peux pas en fait, parce que t'en as déjà commandé, donc il me dit dans 40 secondes. Derrière moi. J'envoie une frag. Bouffe ça, tu con. Ah
Ah la vache. Allez, on s'équipe ensemble. Ah putain, il est au fond là-bas. Attends, derrière toi. Le bâtard. T'es eu comment? Mais il m'a eu avec son rayon laser là, il m'a visé et il m'a envoyé un missile, mais c'est bon. Ouais. Ah le salopard, putain. Ah bah il est là-bas. Bras de lancer. Oh putain! C'est là! Attention, peut-être il y a le sniper là. Ah non! Ah. Oh le bâtard! Oh putain là! Il m'a loupé! Putain, fais gaffe! Ah, je suis mort! Ouais, mais bon, j'ai mis 10 piges à aller te chercher, mais là on l'avait bien blessé. Ouais. Ah putain! Putain, vache. Changer le nom de la diff. Je peux plus, c'est pas grave, tant pis. Putain, la vache. Allô, pas. Bon, faire comme t'as l'air. J'ai appelé les rebelles, ils vont nous envoyer des renforts. Là c'était pas mal parce qu'à chaque fois il apparaissait dans un endroit assez dégagé, donc pour le voir c'était simple. Là, il est là. Il est là. Attention. Frag lancé, attention les yeux. Wait, frag. Hola, putas. Attention, il tire. Ah, bâtard. Putain, l'enfoiré.
Ah, mais je pourrais pas répondre là, tu me prends la tête, là. C'est bon. Arrête de me casser la tête là. Oh non, mais ils sont sérieux ou quoi là? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Je suis mort. Ils me cassent tous les couilles là. Les brises là. Déconner quoi. Putain. Il n'y a pas du monde là qui peut venir nous filer un coup de main là. Ça y est, je vais voir, attends, je reviens. Ouais. Putain, vache. Alors voilà. Ouais. Eh, t'as alors, vu aussi il y a des compliqué. Caisses aussi à ouvrir. C'est pas caisse de combat. Il y en a une, ouais, c'est pas, mais pas celle du milieu. Ah d'accord. Ils sont où, là où t'es là? Quand tu vas sur Select, quand tu vas dans les équipements, ouais. T'as caisse de combat. Ouais. Caisse de combat. Accessoires, caisse d'armement, ouais d'accord. Et tu peux les ouvrir. Ouais. Oh. Ah oui, caisse de combat.
Ah, ouais, d'accord, il y en avait une. C'est mieux que rien. Hein. Ouais. J'ai demandé des renforts à Pak Katari. J'ai demandé un tir indirect aux rebelles. J'ai reçu. On est en plein jour, ça devrait, on devrait s'en sortir, bordel. Mettez-moi ça! Ça, le salaud. Ah putain, couvert, couvert. Là, c'est... Ah ouais. Frag lancé. Là, on lui a fait mal, on lui a fait mal. Ouais. Putain, derrière, attention à ta gauche. Là, j'ai bien envie d'enlever mon viseur, là. Pour lui foutre plein de balles ou quoi, non? Non, 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 putain, enfoiré, enfoiré. Pas mal là ce qu'on fait, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, putain, fais gaffe, fais gaffe. Non! Putain, quel con, je vais me planquer. Oh, il m'a tué quand même, putain! Ouais, je vais stopper, ça me saoule. T'arrêtes? On était à deux doigts de le tuer, ouais, j'arrête là. Je suis saoulé. Ouais. Ça fait une minute qu'on est... Ça fait une heure qu'on est dessus, là. Sur... Ah, ouais, ouais, pas de problème. Ouais. Ah, oui. Comme ça, je mettrai... Tu mettras quand, du coup, la vidéo sur YouTube? Je sais pas, je vais voir là si je peux faire un petit montage vite fait, et je te tiens au jus. Ok. Moi, je... Ouais, ok, ça marche.